Salut, c'est Last Angel, bonjour et merci de suivre ce let's play et cette vidéo. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à l'épisode 6, donc l'épisode de tous les dangers j'ai envie de dire, puisqu'on va affronter notre premier boss. Donc qui est le Léviathan, puisqu'on nous avait prévenu dans l'épisode précédent qu'il y avait une créature monstrueuse qui était dans le vaisseau, donc on va voir ça. Alors j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le constatez, ma santé est moyenne, donc on va remettre. On n'avait pas grand chose, mais on en a besoin tout de suite. Alors on va récupérer. Journal des cultures, docteur Elisabeth Cross au rapport. Je suis très heureuse d'annoncer que nous travaillons actuellement à plein régime. La flore est en pleine santé et la production de nourriture en surplus. Je souhaitais faire parvenir le surplus à la colonie, mais le capitaine a interdit le convoi. Je précise que je désapprouve totalement cet ordre. Nous savons qu'ils sont en difficulté. Je ne vois pas l'intérêt de leur refuser ce surplus. Voilà, donc on fait comme d'habitude, on inspecte, voir ce qu'on nous donne. C'est-à-dire pas grand-chose au départ. Normalement, si ma mémoire est bonne, on avait anticipé le plein de munitions dans l'épisode précédent. Là, il y a eu un véritable carnage. Je crois que la dame Pipi n'a pas apprécié l'utilisation qui a été faite des toilettes et elle l'a fait savoir. Et ben voilà, on récupère quelques petits trucs de la vie, ça c'est très très bien. On la prend tout de suite parce que. Alors, des munitions, très bien. Ça aussi, très. Oh oh oh! Qu'est-ce que. Ah non, pas ces petites saloperies déjà! Attends, dégage, dégage, dégage. C'est de la vermine ces trucs-là. Voilà, dégage. Bon. Alors, est-ce qu'il restait des trucs? Ah, ils sont vraiment dégueux les chiottes, hein. Faudrait que quelqu'un fasse quelque chose parce que. Allez, on se tire. Alors, ascenseur, ça c'est quoi? Rien. Là-dessus, derrière, non, il n'y a rien de caché. Le mec qui est vraiment à la recherche de tout ce qui peut traîner, tu sais. Le rapia, tout ce qui peut dégoter, il récupère. Ouais, munitions, on est bien. Alors je l'avais dit dans l'épisode précédent, hein, ça va être au sacrifice, enfin sacrifice. On va acheter moins de vie, on va essayer de se contenter de ce qu'on va trouver. Et on va tout miser sur les munitions à nouveau. Hein. Alors tiens, un jardin botanique. Qu'est-ce que c'est que ça? Irrigation initialisée. De la thune, c'est bien. Mais ne serait-ce point Hammond? Il a pas l'air en bonne forme, lui. Oh oh. Isaac. Content de vous voir enfin. Gardez votre casque. L'air est pourri. J'y ai jeté un œil. Énorme, incroyable. Elle est enfermée dans le garde-manger. Le personnel sur ce pont, ce sont eux qui ont infecté l'air. Ils se transforment. J'en ai vu un. Gonflé, bouffi. De vraies machines chimiques. Chassons-les pendant qu'on peut encore respirer. Ouais, t'es pas en état d'aller nulle part, toi. Je vous croyais mort. Vous avez besoin d'air pur et vite. Dans votre état, vous ne pourrez pas faire grand-chose pour aider Isaac. Isaac, je suis en train de scanner la zone. C'est vrai, il y a quelque chose de vraiment énorme dans le garde-manger. Mais je n'ai rien de précis. Tout ce que je sais, c'est que c'est énorme. Sois prudent. Ouais, enfin, en même temps, tout dépend de la taille du garde-manger, quoi. Bon, alors donc, c'est bloqué pour l'instant. Quoi de neuf, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Rien. Bon, allez, on y va.
On s'en occupe. Alors. Bon, que dalle. Les placards là. Ok, je prends bien sûr. Voyons voir. On a 2 points toujours. Et on sait jamais, on va quand même en prendre un petit peu. Et voilà le reste. Et un peu de balles d'assaut. Voilà. Normalement, on est pareil. Ouais, ça me paraît bien. Et on y go. Je devrais être contente qu'Amon soit en vie. J'ai pas confiance. Il nous cache quelque chose sur le monolithe. Alors, donc oui, je vous disais au terme de l'épisode précédent que je vous parlerai d'un nouveau let's play que je suis en train de réaliser. Donc ça concerne The Amazing Spider-Man, qui est sorti en 2012 de mémoire. Et comme le 2 va sortir prochainement, à savoir le 2 mai, alors là on va augmenter dans le cutter, on l'a déjà bien avancé, on va poursuivre l'arme d'assaut, voilà, mettre quelques dégâts. Et bah pour l'instant ça sera tout. Module de stase, ouais, on pourra le faire évoluer un peu aussi. Voilà. Enfin, on va surtout se concentrer, comme je disais, sur l'armement. Ouais, je disais donc que The Amazing Spider-Man 2 sort le 2 mai. Et donc le début du let's play, je pense que vous l'aurez demain soir ou après-demain soir, en même temps que les épisodes de Dead Space. Au niveau de la durée, ça durera à peu près pareil, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins, parce que là, du coup, il y aura des missions à remplir qui sont pas forcément très longues, mais qui vont pas respecter systématiquement les 20 minutes. Ça sera soit un petit peu en dessous, soit un petit peu au-dessus. Et au niveau de la fréquence, il n'y en aura pas tous les jours par contre, parce que je peux pas faire des let's play tous les jours. Toi tu vas pas nous emmerder, hein. On était tranquillement en train de causer. Alors hop, tu dégages et tu nous emmerdes pas. Voilà. Donc au niveau de la fréquence, je pense à tous les 2 ou 3 jours, quelque chose comme ça. Et puis, voilà. Et j'en ai un troisième si j'ai le temps aussi que je mettrai en route, mais là pour l'instant c'est pas sûr du tout, donc on verra, on en reparlera. Et vous, si vous avez des idées, hein, surtout n'hésitez pas. Alors oui, j'ai choisi The Amazing Spider-Man parce que comme je vous dis, le nouveau va sortir. Le film également, etc. Donc c'était l'occasion de se replonger un petit peu dans l'univers de la nouvelle trilogie. Et là, il y a des petits trucs à récupérer. On va prendre. Bon, c'est plutôt, enfin, ça devait être plutôt joli comme jardin avant que ça soit complètement. Oh là, c'est mal fréquenté cet endroit. Oh là, oui, c'est très mal fréquenté. Alors toi, tu dégages. Oh, il y a du monde, oh, il y a du monde, oh, il y a du monde. Oh putain, ça commence très fort. Alors, toi, tiens, hop, allez, putain, toi, allez, voilà, comme ça, ils vont avancer moins vite, forcément. Alors, ah putain, puis il y a les petites bestioles aussi, là. Allez, toi, dégage. Voilà, putain, ça, c'est dommage, ça pète pas tout de suite. Il y en a un autre, il y en a un autre, putain, oh, il y en a un autre. Putain, puis la stage, j'en ai presque plus. Allez. Ah merde, derrière. Putain. Ah, vous faites chier, les mecs. Non, pas.
Je m'attendais pas à tout de suite être sollicité à ce point-là. Voilà, ça toi c'est pareil. Voilà. Je disais que dans l'épisode précédent qu'on sous-estimait le pencheur. Et bah là, on en a la preuve parce que voilà, là il nous a bien dépanné. Là, il aura 6 les pattes en moins de 2. Ah, il y en a encore un là-haut. Putain. Et hop, lui, on va se le faire en cutter. Allez. Allez, allez, allez. Voilà. Allez, allez. Putain. Ah, ils sont teigneux, hein. Bon. Bah, ça, c'est fait. Voilà. Ça, tu prends ça dans ta gueule, tu l'as pas volé. Espèce de fourbe. Alors, il doit y avoir des trucs à récupérer avec tous ces cadavres. Voilà. De la thune. Ouais, ça c'est juste pour le plaisir, pardon. Et ben voilà, on a récupéré quelques trucs. On en a gaspillé, mais on en récupère pas mal. Qu'est-ce qu'on entend là? Je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu à The Evil Dead. À l'original, hein, toujours. Ben oui, moi je suis vraiment pour les originaux, les remakes, je suis pas très. Bon, des fois il y en a des biens, mais c'est assez rare. À ce propos, j'ai pas vu le remake de The Evil Dead, mais celui de Sam Raimi. Ah putain, pardon, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Fatigué. Faut dire qu'il est 3h et quelques du matin. Voilà, bah là, elle, ça, non, c'est pas ce qu'elle veut. Voilà, elle, faut lui tirer comme ça. Les explosifs, ça lui fait pas grand chose. Ou alors, c'est qu'elle est vraiment costaud. Voilà, on va se refaire une petite santé. Oui, je disais donc, moi je préférais les Sam Raimi. Chacun ses goûts. Et on n'est pas là pour ça, mais ça m'arrive de m'égarer. Ah, toi, c'est pareil, tu t'es planté, toi. T'as pas fait chier mon mec. Allez, allez. Voilà. Bon, parce que Isaac, il a un seuil de tolérance élevé, mais faut pas trop lui casser les cacahuètes non plus. Ah, bah, ouais. Ah, ouais, non, ceux-là, les jambes, c'est pas la peine. Les bras normalement, allez, ne fais pas user tout mon truc, toi. Putain, ouh, c'est pas bon ça. Allez, putain, ils sont costauds ceux-là. Ah, l'enflure, ah, j'ai plus de stase. On va pas mourir là quand même. Non, dégage. Putain. En fait, il m'avait fait user toutes mes munitions pour rien. Ouais, ceux-là, ils ont des jambes très résistantes, donc ça sert à rien d'essayer de les couper, je suis con. C'est les bras et ouais, j'aurais dû prendre le cutter tout de suite, c'était pas la peine que je gaspille là. Parce que même si on a augmenté un peu la puissance du fusil d'assaut. On l'a augmenté qu'un petit peu, quoi. Alors là, il doit y en avoir une autre qui traîne dans le coin. Parce qu'apparemment, là, c'est ces espèces de bestioles là, qui polluent l'atmosphère. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Oh! Ah bah lui, il est coriace, hein. il veut pas. Hein. Il s'accrochait à ce qui lui sert de vie. Voilà, ça c'est fait. J'aime bien l'ambiance là avec les petits côté tropical, avec les petits bruitages de la faune. Ça se passe à l'étage visiblement.
bah, niveau 2. Hein. Alerte. Atmosphère artificielle toxique détectée. Un technicien a été prévenu. Bah, dans l'état où ils sont, les techniciens, à mon avis, vont pas pouvoir faire grand chose. Mais c'est merci d'y avoir pensé quand même. Alors. Ah, il y a des trucs là. C'est bon. Ça, c'est quoi là-haut? Et bah voilà, du pognon facilement gagné. Tant plus qu'on va en avoir besoin. Est-ce qu'ils en ont mis autre part? Sait-on jamais? Alors. Non, a priori. Oh. On va prendre ça. Mais elle est relou, elle, avec ses... On fait plus qu'un, t'es qui, toi, d'abord? Allez, toi, tu vas claquer. Hop. Salut. Crève toi, putain, mais crève. Voilà, c'est bon. Elle était sur le point d'infecter l'autre là. C'est de la vermine ces trucs là. Ouais, là, la voix, j'ai bien peur que ce soit la voix de Nicole hein, qu'on entend depuis quelques épisodes là. Et c'est pas bon signe. Hein. C'est pas bon signe du tout. Si elle fait plus qu'un avec je sais pas quoi. Alors, hop, ça c'est fait. On va recharger. Hop. Alors. Alors je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé. Quand est-ce que je me remettais sur Titanfall, tout ça. Mais encore une fois, c'est une question de temps. Et parce que faut enregistrer les vidéos, faut les encoder, ça prend plusieurs heures. Faut les uploader, ça prend plusieurs heures aussi. Pendant ce temps d'encodage et ce temps de hop, je peux pas jouer en réseau parce que bah, l'encodage monopolise tout le PC. Et puis le hop, une grosse partie de la bande passante, donc j'ai des pings qui sont pas bons. Donc je m'en excuse, mais... Là je vais m'y repos. Ah, putain c'est quoi ça? Ah 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 ah. D'accord, c'est des explosifs qu'il a à la main, donc faut pas qu'il s'approche. C'est nouveau ça. Ça fait penser à Serious Sam, pour ceux qui connaissent. Ah. Non, bah ça servait à rien. Je me suis dit on va essayer. Allez. Voilà. Hop. Là il y en a combien? Allez, allez. Ah, et ça je pense que ça devait être un clin d'œil à Serious Sam parce que c'est. En plus ils arrivaient un peu comme dans les Serious Sam qui sont. Enfin, jusqu'au. Avant le 3 c'était très bien. Moi le 3 j'ai pas trop aimé, je joue un petit peu avec, mais pas plus que ça. On va tout récupérer à distance au cas où. Mais normalement, je pense qu'il n'y a plus rien, ils ont dû tous sortir. Hop. Alors je vous prie de m'en excuser si vous m'entendez bailler. J'essaye de le faire discrètement, mais là ça fait 2-3 fois que je baille. Je vous ai dit Buller, je suis un peu fatigué, mais je tenais quand même à être prêt pour demain. Parce que déjà j'ai eu du retard aujourd'hui, enfin sur l'épisode 5, et je m'en excuse parce que j'ai eu un problème, il a fallu que je réencode une deuxième fois la vidéo parce que il y avait des problèmes sur l'image que je ne m'explique pas parce que j'ai fait exactement la même chose que d'habitude et je me suis aperçu que c'était pas bon un peu avant de le mettre en ligne, donc il a fallu tout refaire. Alors ça doit être par là. Voilà. Oh oh oh. Alors. Ah. Bouge pas toi, il y en a un autre, il est où? Il est où l'autre? Il est où ce con? Ah d'accord. Bouge pas non plus. Putain.
Puis l'autre, il vient de profiter pour se tirer. Merde. Merde, merde. Ah, merde. Allez. Blague. Et... putain. Ah, l'autre qui me retouche, là. Mais putain, c'est pas vrai. D'habitude, en apesanteur, ils sont moins violents, ceux-là. Allez, allez. Ah bah quand même. Et l'autre il m'a rien laissé là. Ah merde. Il fait gaspiller les munes et puis en plus il me donne rien. Entrée zone sans gravité. Ok, alors faut passer par là donc. Ok. Ah ah ah, encore un. Lui, on va se le faire facile. Dommage qu'on n'ait pas eu ça tout à l'heure. Putain, cette espèce de pauvre cri de bête qui l'a poussé là. J'en aurais presque des scrupules. Là. Non, je plaisante. Allez, on va prendre ça. Si c'est là, il y a une raison. Alors. Bon, bah, a priori, on a pas besoin. Allô ? Allô, sécurité ? Ah, il y a un point de force là-haut. Dieu merci. Ici Dr. Cross, salle de culture. J'essaie de localiser l'ingénieur Jacob Temple. Je ne peux pas rejoindre sa zone. Merde, c'est fermé. Je suis au courant qu'il y a une zone médicale. C'est pour ça que j'essaie de le joindre. Ah bah, il y avait encore un truc, non, là. Ça va ici. Mais le tram est HS, les capsules de sauvetage sont loin. Allô ? Allô ? Ça va, il reste quand même ce qu'il faut en munitions. Faut dire qu'on avait pris le... on avait pris un paquet. Mais il faut vraiment qu'on les économise. Alors tiens, bah justement, ça tombe bien. Donc là, on aura de la stase. Ça. Ok. Bon, on va peut-être pas rentrer tout de suite parce que... un autre truc là-haut. Ok. Et ça ouvre la porte là-bas. Donc il va falloir faire ça à mon avis. Parce que ça on peut pas le ralentir avec le temps, hein, je pense pas. Voilà. Ok. Oups. Allez, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Allez. Oh putain. Alors. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Allez, 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 dégage. Allez. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Il y avait un autre truc maintenant. J'ai vu un truc. Il s'est fait déchiqueter, il y a un truc à récupérer. Ah, merde, j'arrive pas à l'avoir. Voilà. Et bah voilà. Alors, ce que je vous propose là, c'est qu'on a dépassé à peu près les 20 minutes déjà là. Donc, on va se quitter ici. Et puis, donc, si la vidéo vous a plu, likez. Si vous avez aimé, partagez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.